Voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui là je vais faire des petites courses à Carrefour. Je me regarde encore vers le bas. Il y a pas mal de circulation, j'espère que vous allez bien m'entendre. Mais du coup là je vais à Carrefour acheter deux fois quelque chose qu'il me faut parce que c'est important. Pour me faire à manger, il manquait les trois trucs, voilà, et pour moi-même. Et là, aujourd'hui, nous sommes lundi, et je vlog pour samedi, donc ce sera un vlog encore, je pense, à rallonge, à moins que je vous parle beaucoup aujourd'hui. Je pense que je ferai encore un vlog à rallonge, j'aime bien, en fait, on se mouvant. Et du coup, là, mon programme d'aujourd'hui, c'est de redéplacer la chambre. Ouais, encore. Et encore. Oui, bah oui, encore. Du coup, en rentrant des courses, là, je vais être toute seule parce que ça va, mon chien, il vient pour ce que j'avais à prendre. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que j'allais dépasser la chambre encore pour pouvoir bien ranger les fringues et tout ça. Et que sans s'y rendre compte que c'est le bordel. Et que mon chéri, il peut se passer du bon maintenant. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vais arriver à Carrefour et je vais vous parler de je sais plus quelle heure il est. Ça fait 20 minutes que j'attends le bus. Ça commence à être long. Il devrait pas trop tarder à arriver maintenant. Il arrive dans 4 minutes, je crois. Ça commencerait moins à être long. Moi et mes courses, on en a marre, on a envie de rentrer. Je me dis que tout ça, j'en vais faire. Ça va être le bordel. Et j'aimerais bien faire avant que mon père arrive. Il rentre à 17h, donc j'ai 3h, il est à peu près 14h. Ouais, il va bientôt être 15h, quelque chose comme ça. 3h, 19h. Voilà. Et du coup, j'ai mis que je dois faire, etc. Que je dois passer, que je dois ranger tous les freins, que je dois aspirer la chambre et passer un coup de serpillière. Et de javel en même temps du coup. Oh là là, ça va être très chouette. Donc moi je vous le dis. Du coup bah, je vous reprends dès qu'on rentre. Dès qu'on rentre, je suis toute seule mais dès qu'on rentre, oui. Dès que je rentre, comme ça, But I don't know why. Plus de 14h. J'ai dit, on n'a pas son nuit avec une tempête géniale. Et là, je pars à la pharmacie pour mon chien qui est malade. Mon pauvre petit bout de chou d'amour. Du coup, je vais prendre soin de lui. Parce que du pauvre, il est tout malade. Et là, je pars à la pharmacie du coup. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Je vous parlerai tout le temps. Du coup, moi et ma coupe, j'ai mis un capuche parce qu'il y a du vent et que je suis assez sensible des oreilles. Bref. Là, j'ai mis sur la pharmacie, c'est fait. J'ai juste pile poil le compte, j'étais trop contente. Enfin bon. Là, je rentre. Donc, je suis sur le retour. Voilà, j'ai eu la chance, j'ai eu le bus pour l'aller et pour le retour. Donc, trop contente. Et ça fait une minute de retard, je suis arrivée pile poil. Pour une fois, je suis très contente. Enfin bon, vous voyez toujours des positions bizarres. Là, je regarde devant moi pour me prendre quelque chose. Du coup, là, je vais prendre soin de mon chéri un petit peu, parce qu'on voit tout malade. Il me fait de la peine. Et voilà. Après, j'irai me laver. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que je me suis dit, mon chéri passe avant que je me lave quand même. Donc, rentrant, je vais me laver. Et ça va être tranquille aujourd'hui. Du coup, on avait prévu des trucs aujourd'hui, mais du coup, ça a annulé. Vu que je suis malade. Voilà, voilà. Mais là, je vais le remettre sur pied. Et voilà. Et demain, avec mon père, on doit aller à Electrodépôt chercher un chauffage pour lui, cette fois. Et une cocotte à rire. Alléluia, je suis trop contente. Du coup, à partir de demain, on aura une cocotte à rire. Et on va pouvoir faire du bon riz. Ça va être trop bien. Enfin bref, je vous reprends tout à l'heure. Du coup, moi et ma tête de... bah plus ma coupe.
Mon chéri va mieux. Ouais. Je l'ai bien soigné. Super journée de merde. Du coup, là, moi, je mange faire les pâtes chinoises. Comme d'hab. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ah, tu préfères les pâtes chinoises à moi. Je suis un homme maltraité. Quand on est dans le lit, madame m'a attaché. La couette pour pas vous montrer, mais... Elle m'a attaché. C'est parfait, quand même. Non, mais la crédibilité... zéro. C'est comme ta coupe, quoi. C'est ça. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Tu les retouches? Ça fait longtemps que je ne les avais pas trouvés avec les cheveux potables. Ils ont grave bien poussé. Je voulais vous parler de ça, du coup. Mais j'ai enlevé ma tête, du coup. Parce que c'est plus facile. Même si j'ai encore un peu mal. La douleur a beaucoup diminué. Enfin bon. Du coup, là, je sortais de la douche. Et je voulais vous montrer. Pardon. J'ai un cheveu qui me chatouillait. La brillance de mes cheveux. Attendez. La brillance de mes cheveux. Ils sont tellement beaux. Et ils ont tellement poussé. Attendez. Ils ont bien poussé. Ils ont pris... ça. Depuis que je fais la cure. Et ils sont juste magnifiques. Mes ongles, je les avais coupés. Ils repoussent tellement bien. Et fort. Après, moi, j'ai l'habitude d'avoir les ongles durs. Donc, voilà. Mais... du coup, je me suis dit, c'est les cheveux, je me suis séchée, etc. Et je les trouve magnifiques. Je suis trop contente. Du coup, je me suis dit que je les laisser détacher aujourd'hui. Je mettrai juste ma pince si mes cheveux m'embêtent. Mais je vais éviter de les attacher ce soir. Parce qu'en ce moment, je les attache beaucoup. Et là, je vois que mes cheveux sont tellement magnifiques que j'ai pas envie de leur faire quoi que ce soit. Enfin, voilà. Du coup, là... je vais bosser un peu parce que j'ai des trucs à faire, etc. Enfin, bosser. Voilà, vous avez compris. Enfin, j'avais pas de ça. Enfin, si, bosser, parce que c'est le travail, comme je peux passer des heures dessus. Je vais voir sur mon appli de montage et sur l'appli de mon ordinateur que mon chéri regardera autre chose. Parce que pour ça, il est sur l'ordinateur, donc je testerai ça tout à l'heure. Voir ce qui signe l'appli, le truc de montage qu'il y a sur. L'ordinateur est mieux que sur mon téléphone parce que j'ai avec mon téléphone j'ai pris l'habitude etc, mais j'ai envie d'être encore mieux dans mes montages, donc voilà. Du coup, je vais j'irai voir tout à l'heure, et vu que les vlogs me passionnent, bah, j'ai envie de faire plus de trucs en vlog pour que ce soit plus intéressant pour vous déjà et mieux. Et j'ai tellement hâte de faire plein de vidéos. Et normalement, cette semaine, je sais pas quand encore, je compte filmer une vidéo assez spéciale que j'ai pas tellement vue. Je pense parler soit de mon harcèlement scolaire. Parce que ça peut toujours aider des gens, etc. Donc c'est ce que je veux aussi, aider, donner des conseils, etc. C'est ce qui me passionne. Pour contrôler, enfin, ce que moi j'ai vécu au harcèlement, comment je me suis en sortie, l'histoire de la rencontre avec mon chéri, parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Donc voilà. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires si vous préférez soit mon harcèlement en premier temps, ou comment dire, ou ma rencontre avec mon chéri, enfin, une autre histoire. Depuis depuis qu'on s'est mis ensemble, donc depuis maintenant 2 ans, parce que ça pourrait être intéressant, etc. Et voilà. Donc, et je ferai un sondage sur Instagram, de toute façon, pour savoir laquelle vidéo je ferai. Comme ça, je pourrais travailler dessus. Et voilà. Et je vous dis bye tout à l'heure. Sometimes I feel tired. Bon,
aujourd'hui, je crois que j'ai pas vlogué. Toi, j'ai deux trucs, non? Enfin bon, du coup, je voulais vous parler un petit peu. Et les joueurs, je vais vous dire l'heure qu'il est. Il est 22h46, mais j'attends mon chéri. Que je sais pas. Que moi, j'étais tout à l'heure, j'avais mal. Enfin, j'ai mal au dos et que je suis très fatiguée. Mais je ne peux pas dormir tant que mon chéri n'est pas rentré. Enfin bon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas vlogué aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que déjà, de 1, on était sur le terrain, hein, un terrain pour. Moi, oh, j'en ai marre de montrer mes fringues. Pour aider mon chéri, non, mon beau-père, à faire ce qu'il faut pour le terrain, etc. Terre soft. Du coup, on a fait ça aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai fait des photos. La page etc qui est privée, donc je peux pas vous la donner vu que voilà c'est privé, etc. Donc on a été faire ça, et je suis exténuée, c'est à dire je suis très très fatiguée, voilà, je suis très émotive aujourd'hui, bah, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait une proche qui était de base une abonnée qui est devenue très proche, un peu comme ma petite soeur, enfin bref, qui a perdu un proche et ça m'a touchée particulièrement, enfin bref, donc paix à son âme et je te fais des gros bisous ma chérie si tu passes par là. Donc ça m'a beaucoup touchée, je l'ai eu au téléphone etc, ça m'a fait du bien de parler, voilà, j'ai parlé avec une autre proche à moi, qui elle aussi n'allait pas très très bien, donc je lui ai parlé un peu aujourd'hui, sauf que je l'ai pas appelé parce qu'une fois que j'ai eu la première au téléphone, j'étais, après j'ai un peu pleuré vu que j'étais pas très très, enfin, je suis pas très en forme on va dire aujourd'hui, et là il y a des jours comme ça où le moral n'y est pas, et bah là aujourd'hui mon moral n'y est pas du tout, enfin bon, je voulais quand même vous dire que voilà, j'ai pas vlogué. Du coup, je vloguerai demain si j'ai des trucs intéressants à vous montrer ou à vous dire. Voilà, voilà. Etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que, à part ça, voilà, je vais parler avec mes deux petites cocottes, mes petites beautés d'amour. Et si vous passez par là, les filles, je vous aime très très fort. Et voilà. Donc là, je pense que je vais aller me reposer en attendant mon chéri, etc. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous, quand même, vous allez bien. C'est déjà mieux. Et que voilà, moi aussi, ma meilleure amie, elle n'avait pas la forme tout à l'heure. On était deux. Mais bon, il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Il y a des coups de mou dans la vie. Et puis. Et tout va mieux, etc. Enfin bon, je vous reprends demain, ce sera mieux, j'irai sûrement mieux, hein. Reste positif, toujours rester positif. C'était négatif le lendemain, bah c'est mort, ce sera toujours la même situation. Donc là je vais rester positif et je vais attendre mon chéri et après on ira faire dodo. À tout de suite pour vous et demain. Bon, du coup on se retrouve le lendemain comme je vous avais dit, moi chéri. Et là, on repart sur le terrain du coup. Ouais, faut que je vous montre parce que quand même, on a un style de level. Attendez. Un Ranjo tout cracra, tri tout cracra et bah ça jette. Moi, je suis avec un pull, une veste, mon tri et mes chaussures toutes cracra qui étaient blanches, qui sont devenues presque marron. Du coup là on va prendre le bus et après on y va. Sometimes I... On se retrouve du coup le soir. Il est 23h passé je crois. Bah minuit. Du coup on est entré il y a un bon moment maintenant. On est entré, il était 20h. Un peu plus de 20h. 20h30. On a été prendre une douche pour se décrasser parce que la terre on en avait jusque là. Donc voilà, on a mangé
pas bon. Parce qu'on n'avait pas faim, en fait. Ça nous a... En fait, on avait faim, mais en fait, Mais j'étais pas chocolat. Après, on n'avait plus faim. Genre, c'était bizarre. Du coup, on n'a pas trop mangé. Et voilà. Oh, bah, tu ressembles belle aussi. Mon petit chat. Et du coup, voilà. Donc, on avait fait une journée bien productive de taf. Où je les ai aidés aussi. Et voilà. Et je pense que, de toute façon, quand on retournera, je vous filmerai... On vous filmera, comme ça il vous expliquera un peu des petites choses. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Comme ça, lui, il pourra plus vous expliquer. Et voilà. Et je pense que je vais clôturer maintenant, parce que autrement, la voiture est 30 piges et on est mal barré. Et je suis censée le mettre en ligne samedi. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et ciao, ciao!